Salut à tous. Cette semaine, à l'affiche, Harvey Milk dans les salles, Ian Paiming enterre la Joconde, The Australian Pink Floyd Show, François Rollin à l'Olympia et Holiday on Ice. Si on accorde les droits civils aux homosexuels, alors on les accordera aussi aux prostituées ou encore aux voleurs. Avec 8 nominations aux Oscars, le nouveau Gus Van Sant est bien parti pour faire un carton. Et on comprend pourquoi. San Francisco, par des gens qui sont des déviants sociaux irrécupérables. Il faut inspiré de l'histoire vraie d'Harvey Milk, il relate l'ascension du premier conseiller municipal ouvertement homosexuel des États-Unis. Vous avez peur des filles. Tu seras le premier homme ouvertement homosexuel élu à une fonction importante. Tu fais partie de la machine maintenant. La société n'existe pas sans la famille. On n'est pas contre ça. Deux hommes peuvent-ils se reproduire? Non, mais Dieu sait que ce n'est pas faute d'essayer. Et quand c'est Sean Penn qui est le personnage principal, ça devient tout simplement génial. La vie ne vaut pas d'être vécue. Il faut leur donner de l'espoir. Harvey Milk, sorti le 4 mars dans les salles. Un artiste contemporain au Louvre? Oui, mais pas n'importe lequel. Ian Paiming a déjà peint Mao et Barack Obama. Alors au musée du Louvre, il a décidé de faire encore plus fort. Le Mona Lisa, c'est un emblématique. Voilà, la femme la plus connue du monde, l'image la plus véhiculée du monde. Voilà, c'est aussi que c'est une sorte de une peinture travaillée sur funérailles. Voilà, funérailles de Mona Lisa, parce que c'est l'ombre portée de la Mona Lisa. Voilà, à partir de ce moment-là, je choisis une couleur presque gris, blanc. Voilà, c'est une couleur de le deuil en Chine. Les funérailles de Mona Lisa par Ian Paiming, actuellement au musée du Louvre. Cela fait 10 ans que The Australian Pink Floyd Show écume toutes les scènes du monde pour faire revivre les plus grands moments du groupe mythique. Et cette année, c'est à l'album cultissime The Wall qu'ils vont rendre hommage. Du Pink Floyd, comme si vous y étiez. Australian Pink Floyd, le 4 mars à l'Olympia. Et alors je regardais l'éléphant, comme ça, tranquillement, et puis à un moment, par inadvertance, j'ai laissé tomber mon sac sur la plate-bande de gazon. En une seconde, l'éléphant l'a attrapé avec sa trompe et il a tout bouffé, tout. Pour son spectacle colère, François Rollin s'est métamorphosé en râleur né. C'est amusant, dit l'instituteur, le voilà qui dit merci avec ses grandes oreilles, gros con. Sa vie, très vieux, un éléphant, alors naturellement par la suite, j'ai cherché à me venger à l'âge de 20 ans. Et s'il râle tout le temps, c'est que tout l'énerve, même les éléphants. Aussi balourd, aussi prétentieux. Retrouvez toutes les colères de François Rollin à l'Olympia le 5 mars. Pour ses 65 ans, Holiday on Ice sort le grand jeu avec encore plus de moyens techniques, encore plus de talent et encore plus de show. Et pour que le spectacle soit encore plus exceptionnel, le couple Sarah Abitbol et Stéphane Bernadis, vice-champion d'Europe, seront sur la glace. Energia, le nouveau spectacle de Holiday on Ice, en tournée dans toute la France. Et pour gagner des places, jouez sur notre site paris-première.fr. À bientôt!